Bonjour et bienvenue sur Mantes TV. Nous sommes le mercredi 12 janvier. L'actualité du jour. Au sommaire aujourd'hui, l'actu locale. Le voleur avoue 5 cambriolages. Un jeune homme incarcéré depuis juillet à la prison de Fleury-Mérogis pour une tentative de cambriolage dans une bijouterie de Mantes-la-Jolie vient d'avouer 5 cambriolages commis au printemps. La gendarmerie de Bréval, qui avait découvert des traces d'ADN du jeune âgé de 21 ans, a ainsi fait le rapprochement avec d'autres cambriolages commis sur les communes de Magnanville, Mantes-la-Ville, Jouy-en-Josas et Rosny-sur-Seine. Le voleur qui avait été blessé par balle au cours de sa tentative de cambriolage a été présenté devant le parquet de Versailles vendredi.